Bonjour et bienvenue sur la classe confinée de Madame André. Vous avez sûrement très envie de sortir de chez vous et je ne peux rien pour vous. Vous avez peut-être peur de ne pas être au niveau pour le DNB. Et là, je peux quelque chose pour vous puisque je vous propose une dictée de type DNB. Donc prenez de quoi écrire et puis n'oubliez pas de sauter des lignes pour vous corriger correctement. Et je vous propose une dictée qui est tirée d'Uranus, c'est un roman de Marcel Aimé qui est paru en 1948. Il y aura des noms propres dans cette dictée, donc Blémont, que je vous réécrirai au moment où il faut l'écrire dans la dictée, et puis Sainte-Loge, que je vous redonnerai également au bon moment. Voilà. Je vous dirai pause. Quand je vous dirai pause, il faudra faire pause tout simplement, puisque juste après il y aura la correction de la dictée. Et il faudra que vous procédiez à votre autocorrection en faisant bien attention à corriger toutes vos erreurs. Voilà. Je vous propose de commencer. Pour le moment, vous n'écrivez pas. Vous écoutez le texte. Donc c'est exactement la même méthode que lors de l'examen. Ensuite, je vous dicte le texte. Puis je vais vous le relire encore, cette fois-ci avec la ponctuation. Et ensuite, vous aurez quelques minutes pour vous relire par vous-même. Voilà. C'est parti pour la lecture. On écoute, on n'écrit pas. Le collège de Blémont étant détruit, la municipalité avait réquisitionné certains cafés pour les mettre à la disposition des élèves le matin de 8h à 11h et l'après-midi de 2 à 4. Pour les cafetiers, ce n'était que des heures creuses et leurs affaires n'en souffraient pas. Néanmoins, Léopold avait vu d'un très mauvais œil qu'on disposa ainsi de son établissement et la place Sainte-Loge avait alors retenti du tonnerre de ses imprécations. Le jour où pour la première fois les élèves étaient venus s'asseoir au Café du Progrès, il n'avait pas bougé de son zinc, le regard soupçonneux et affectant de croire qu'on en voulait à ses bouteilles. Mais sa curiosité, trompant sa rancune, s'était rapidement éveillé et Léopold était devenu le plus attentif des élèves. C'est parti pour la dictée. Le collège de Blémont étant détruit, virgule. Le collège de Blémont étant détruit, virgule. La municipalité avait réquisitionné certains cafés pour les mettre à la disposition des élèves, virgule. La municipalité avait réquisitionné certains cafés. La municipalité avait réquisitionné certains cafés. Le collège de Blémont étant détruit, virgule, la municipalité avait réquisitionné certains cafés pour les mettre à la disposition des élèves, virgule, avait réquisitionné certains cafés pour les mettre à la disposition des élèves, virgule, le matin de 8 à 11 heures, avait réquisitionné certains cafés pour les mettre à la disposition des élèves, virgule, le matin de 8 à 11 heures et l'après-midi de 2 à 4 points. La municipalité avait réquisitionné certains cafés pour les mettre à la disposition des élèves, virgule, le matin de 8 à 11 heures et l'après-midi de 2 à 4 points. Pour les cafetiers, virgule. Pour les cafetiers, virgule. Ce n'était que des heures creuses. Pour les cafetiers, virgule. Ce n'était que des heures creuses. Et leurs affaires n'en souffraient pas point. Pour les cafetiers, virgule. Ce n'était que des heures creuses
et leurs affaires n'en souffraient pas point. Ce n'était que des heures creuses et leurs affaires n'en souffraient pas point. Néanmoins, Léopold avait vu d'un très mauvais œil. Léopold avait vu d'un très mauvais œil qu'on disposa ainsi de son établissement. Léopold avait vu d'un très mauvais œil qu'on disposa ainsi de son établissement. Et la place Sainte-Euloge avait alors retenti du tonnerre de ses imprécations. Léopold avait vu d'un très mauvais œil qu'on disposa ainsi de son établissement, et la place Sainte-Euloge avait alors retenti du tonnerre de ses imprécations. Le jour où pour la première fois les élèves étaient venus s'asseoir au café du progrès, Le jour où pour la première fois les élèves étaient venus s'asseoir au café du progrès, Le regard soupçonneux, et affectant de croire qu'on en voulait à ses bouteilles, Mais sa curiosité trompant sa rancune, s'était rapidement éveillée. Et Léopold était devenu le plus attentif des élèves. Et Léopold
et Léopold était devenu le plus attentif des élèves. Point final. Et Léopold était devenu le plus attentif des élèves. Point final. Et Léopold était devenu le plus attentif des élèves. Point final. Vous sautez une ligne et vous marquez Marcel Aimé, virgule, Uranus, virgule, 1948. Et vous soulignez Uranus puisque c'est le titre de l'œuvre. Je vous propose maintenant une relecture du texte. Soyez très attentifs. Veillez à ne pas avoir oublié de mots ni de signes de ponctuation. Évidemment, vérifiez votre orthographe. Le but, c'est de ne faire aucune erreur, hein, si possible. Je vous rappelle les noms propres. Blémont, Sainte-Loge et évidemment Léopold. On écoute, on se corrige. Le collège de Blémont étant détruit, virgule, la municipalité avait réquisitionné certains cafés pour les mettre à la disposition des élèves, virgule, le matin de 8 à 11 heures et l'après-midi de 2 à 4. Point. Pour les cafetiers, virgule, ce n'était que des heures creuses et leurs affaires n'en souffraient pas. Point. Néanmoins, virgule, Léopold avait vu d'un très mauvais œil qu'on disposât ainsi de son établissement et la place Sainte-Loge avait alors retenti du tonnerre de ses imprécations. Point. Le jour où pour la première fois les élèves étaient venus s'asseoir au café du progrès, virgule, il n'avait pas bougé de son zinc, virgule, le regard soupçonneux, virgule, et affectant de croire qu'on en voulait à ses bouteilles. Point. Mais sa curiosité, virgule, trompant sa rancune, virgule, s'était rapidement éveillée et Léopold était devenu le plus attentif des élèves. Point final. Marcel Aimé, virgule, Uranus, virgule, 1948. Bien. Maintenant, il va falloir que vous vous relisiez tout seul. Donc, faites pause et on se retrouve juste après pour la correction. Logiquement, vous avez fait pause. Attention, je vais afficher le texte. Voici le texte pour que vous puissiez vous corriger par vous-même. Je suppose que vous avez été très peu nombreux à mettre l'accent circonflexe sur le A et le T sur disposa. Hein, on est bien d'accord là-dessus. Il s'agit d'un subjonctif imparfait. Évidemment, le jour du brevet, cette erreur ne serait pas comptabilisée. Donc, pour mes élèves de 3e, normalement, le subjonctif, vous connaissez. Là, c'est le subjonctif imparfait. J'en avais un petit peu parlé avec mes élèves de 4e l'année dernière. On reviendra dessus lorsque l'on se retrouvera. Voilà. J'espère que vous n'avez pas fait d'erreur sur retenti, d'accord ? Puisqu'on a vu ensemble les participes passés. Voilà, que vous n'avez pas fait d'erreur un peu d'inattention, comme par exemple les S à heure creuse, d'accord ? Groupe nominal, accord dans le groupe nominal. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si elle ne vous a pas été utile, ce n'est pas la peine de mettre un pouce vers le bas. Tout simplement, ne regardez plus mes vidéos. Hein, ce sera plus simple pour tout le monde. Et retournez sur Fortnite. Voilà. Vous avez aimé, si ça vous a été utile, eh bien n'oubliez pas de vous abonner. Tout simplement parce que je ferai des dictées de ce type une fois par semaine. Même pendant les vacances. Oui, même pendant les vacances. Voilà, comme ça, parce que je sais que vous êtes nombreux à vous ennuyer un petit peu chez vous. Donc, autant mettre ce temps à profit pour vous entraîner. Voilà, et je vous dis à bientôt.